Allez, on y va. On en parle. On parle du sujet. Est-ce qu'on est avec Fred Armel? Est-ce que Fred est en direct avec nous pour nous parler un peu? Qu'est-ce que vous en pensez, vous deux? Est-ce que c'est possible ou pas? Bien sûr. Toi, Greg? Bien sûr. De voir atterrir au Paris Saint-Germain Mourinho avec Cristiano Ronaldo. Les deux ensemble? Oh oui. Les deux ensemble. Tu penses que c'est réalisable et jouable? Oui, je l'imagine bien. Parce que j'ai l'impression que ils n'arrivent pas à... Pour une fois, Mourinho n'arrive pas à avoir ce vestiaire à sa cause complète. Non, à sa cause complète. Pas que le vestiaire, que ça fonctionne. Les dirigeants. En plus. J'ai l'impression que pour une fois, le club les est vraiment plus fort que lui. Là. Et les dirigeants, alors... Les sociaux, parce qu'il y a une certaine division du côté. Et il aime bien être aimé par les dirigeants et par les sociaux. Aimé, ouais, beaucoup, peut-être beaucoup plus Mourinho. Toi, Olivier, tu le connais bien, le père Mourinho. Tu penses qu'il est capable de quitter ou de venir en France ou d'aller en Angleterre? La France, oui, puisque le projet, le Paris a de l'argent, donc il peut faire venir les joueurs qu'il a envie. Il se remplit son CV. C'est très important. C'est un 5, il l'avait dit déjà quand il avait gagné le titre l'année dernière. Je suis l'unique. Parce que c'était le Special One. Non, c'était l'unique qu'il avait dit, parce qu'il avait gagné la Ligue des Champions avec trois équipes, différentes, il me semble, je crois. Hein. Non. C'était le titre, non? Surtout sur le championnat. Ouais, le championnat. Parce que maintenant, tu regardes, il était, on l'a annoncé où? À City. City, ils ont fait venir Biggie Stein et ils ont fait venir Soriano, le chief exécutif. C'est-à-dire que là, on commence à anticiper la venue de Guardiola. Ouais. Il y a Chelsea, mais il n'y a pas autant de clubs que ça en Angleterre. Toi, tu penses qu'il peut revenir en Angleterre à Chelsea ou de prendre la suite de Ferguson? À Manchester, c'est un de ses rêves. C'est un de ses rêves. Mais ça se fera pas parce qu'à Manchester United, ça va être un ancien joueur qui a porté les couleurs de... Fred Armel, notre correspondant en Espagne, à Madrid, est avec nous. Fred, Chico. Hola, Chico. Alors ces informations, Fred, concernant l'éventualité d'une arrivée de Mourinho à Paris et de Ronaldo à Paris. Alors déjà, il faut faire... Vraiment, c'est très important de séparer l'avenir des deux hommes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que Mourinho va aller dans un endroit parce qu'il y a Cristiano Ronaldo, et il ne faut pas croire que Cristiano Ronaldo va aller dans un endroit parce qu'il y a Mourinho. Sincèrement, ils ont le même agent. Ils ont le même agent. Oui, attention. Oui. Ils ont le même agent. C'est un avenir totalement séparé. Je peux vous dire sincèrement que moi, et on l'a dit sur MSC Sport depuis longtemps déjà, je suis persuadé que Cristiano Ronaldo termina au Paris Saint-Germain. Ça, je le sens, je le sais. J'ai vu des messages. Je sais ce qui se passe. Je sais que Cristiano n'est plus heureux au Real et qu'il cherche une porte de sortie. Et la porte de sortie, c'est simple. C'est Manchester City, parce qu'il faut payer 100 millions hein, et après un gros salaire. Donc c'est Manchester City ou PSG. Et Cristiano Ronaldo a joué à l'United pendant tellement longtemps qu'il ne se voit pas jouer au Manchester City. Donc il reste le parti. Surtout il n'y a pas longtemps, il a bien parlé de Sir Alex Ferguson. Hein. Bien sûr. Donc il le considère comme un père, comme un parrain, on va dire. Quelqu'un qui l'a vraiment aidé à devenir le grand champion qu'il est aujourd'hui. Le cas Mourinho est totalement indépendant et je vous dis sincèrement que Mourinho n'ira pas au PSG. Mourinho n'a pas envie d'aller au PSG parce que Mourinho n'a qu'une obsession, c'est retourner en Première Ligue. Je pense là aussi, si l'an dernier je vous disais, après toutes les rumeurs, que Mourinho restait au Real, je pense que lui aussi est fatigué du Real. Il ne comprend pas que tout le monde ne soit pas derrière lui et qu'il a envie de partir. Mais il a envie de partir en Première Ligue. Mais tu le sens de plus en plus, Fred. Tu le sens à travers les discussions, à travers les matchs, après les réactions. Tu sens que Fred, et puis les choses qu'on ne peut pas dire ni écrire, mais qu'on sait en off, comme on dit. Voilà, il se rend compte, Cristiano Ronaldo, qu'il n'a... Ronaldo et Mourinho, c'est pareil. Il n'a pas 100% des géants derrière lui, comme il aimerait, parce que le Real, c'est plus difficile que les autres clubs.